Move. Je sais pas si t'as vu le scandale écologique et sanitaire aux Antilles. Entre 1972 et 1993, les plantations de bananes de Martinique et de Guadeloupe ont été traitées avec du chlordécone, un produit hyper toxique, pourtant autorisé. La population est exposée à des risques très élevés de cancer et on estime que la terre restera polluée pendant 7 siècles. Pourtant, l'État français refuse de reconnaître sa responsabilité, même 25 ans après, et donne des explications pas toujours très claires. Excusez-moi, petite question, les gens touchés principalement, c'est des Noirs? On a peut-être un début d'explication. Ah, ça picote, hein. Ah oui, ça picote. Je sais pas si t'as vu, mais Spotify arrête de censurer R. Kelly et XXXTentacion. Le mois dernier, la plateforme de streaming les avait virés de leur playlist et annonçait de nouvelles règles pour éviter de promouvoir les artistes avec un comportement mauvais ou qui véhicule de la haine. Mais aujourd'hui, Spotify renonce parce que même eux trouvent que les règles sont trop floues. En plus, Beyoncé et Fiazzo, ça marchait pas. Quoi? Je comprends pas, de quoi tu parles? Bah, sans le N, Beyoncé, ça fait Beyoncé. Et Fianso, ça fait Fiazzo. Et c'est pas pratique à dire. Mais c'est la N, pas la lettre N. T'es débile ou quoi? Oui, je suis complètement con. Je sais pas si t'as vu Pokémon Let's Go. Nintendo doit présenter ce nouveau jeu la semaine prochaine à l'E3, le salon de jeux vidéo de Los Angeles. C'est comme Pokémon Go, sauf que c'est sur la Switch. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans la rue, on peut chasser des Pikachu dans son salon. Eh ben c'est pratique, comme ça, ça évitera de laisser son gosse tomber du balcon. Eh, je me comprends. Tu es connecté sur Move.